Bonjour, tu sais, Brando sur Crash Bandicoot 4. Et aujourd'hui, on va bien rager. Alors, j'ai déjà en fait fini le jeu, en gros. Et là, je vais refaire le jeu. Le jeu, il est bien rageant, hein, je peux vous dire. On va être man, je sais pas, en tout cas, pif. Moderne, trop moderne. C'est parti. Alors. Si je rage, j'essaie de pas hurler trop. C'est une espèce de let's play en gros ce qu'on va faire. Enfin, en gros, ça va être un let's play. Et mon but, ça va être de pas rager. Voilà, c'est le but du let's play, c'est vraiment de pas rager. Alors, je vais insulter des mères, parce que je sais. C'est aussi comme ça la série, j'insulte des mères, alors. Petite. C'est pas que c'est possible, c'est que je vais le faire. Au bout d'un moment ou un autre, je vais le faire. Ok, vite, il faut y aller. Ah, ça c'est le premier niveau. Les premiers niveaux, ils sont vraiment faciles. Genre, c'est vraiment le début, les premiers niveaux. Mais après, ça devient un enfer. Après, ça devient insupportable. Le but. Enfin, le 100% c'est de détruire tous les blocs dans chaque niveau, mais en vrai genre, je vais faire un peu du 100%. Je vais faire quand même pour le kiff. Le pur kiff, mais le pur kiff. Pour le kiff. Mais... Ah, ok. Un jour on dirait un jeu débile, genre on dirait un jeu débile, mais il est impossible le jeu. Ok. Pas mal. Un jour qu'on entend bien, dans la vidéo d'hier on m'entendait pas très très bien, parce qu'après c'était la nuit, on tourne ça la nuit. Là je tourne ça le jour, alors ça devrait aller mieux. Ça devrait être plus correct. Je peux parler plus fort, je peux crier. Alors je suis mort. Magnifique. Je crois qu'on a tapé à l'appartement, alors j'ai arrêté pendant une vie. Ok, on commence bien. Je suis fait un gros putain de karma là. J'en ai marre! Désolé. Elle est con là, danser, danser, danser. De toute façon, je les ai prévenus là. Je vais rager comme peu possible. T'es mort. Oh la vache. Si je tourne, je vais chialer. Ok, c'est bon. Ok. On va dans la salle bonus. Ah, c'est vraiment des caisses gratuites là. Je crois pas en vrai. Je sais pas si ça a grand importance. Ok. Et on est bon. On peut s'asseoir là. On peut pas, ok. Ok. Par contre, ça va, j'ai pas trop ragé, mais je vais rager une ou deux fois. Hein. Pas trop. Par contre, ça va, le jeu, il est correct, pour l'instant. Le jeu, il est juste. La difficulté, elle est juste. Après, ça va être... Après, ça va vraiment être l'enfer après. Donc, vers la fin du jeu, ça va être impossible. J'ai les diamants. Hop, hop. Ah, faut juste pas tomber. Faut juste pas se prendre le... Il y avait pas un truc à gauche. Deux minutes, je crois. Je prends le risque. Ouais, vraiment, il y avait que lui.
Ok. J'attaque, voilà. Ok, alors. Si je rage. Oh, j'en ai raté une. Oh, j'ai trop la haine. Oh, j'ai trop la haine. Oh, j'en ai raté une seule. J'aime les skins, les gemmes permettent de déverrouiller des skins, gagne des gemmes en cassant les cases, en obtenant des bons pas, en découvrant des gemmes cachées. En terminant un niveau en utilisant 3 vies maximum, ok. Excellent. Peak and Sanity. Okay. Après, j'ai fait ce jeu avec un pote, genre il y a longtemps, genre j'ai fini il y a 30 ans avec un pote. Il a fait la majorité parce que j'étais vraiment pas très fort sur le jeu. Et là, c'est la première fois que j'ai fait tout le jeu tout seul, quoi. Je refais le jeu, mais entièrement tout seul. C'est-à-dire que je vais faire les niveaux que j'avais pas réussi à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il a mis après? Hop là. Le jeu, ouais, il est cool. Le jeu quand les niveaux jouables ils sont cool. Hein. Et là c'est un jouable. Vas-y hop. Récupérer. Hop. Hop. Alors, ouais, j'essaie un peu de changer de Fortnite. De passer un peu à autre chose. Genre, alors, passer à autre chose. Faire du contenu en dehors de Fortnite. J'essaie de tourner une vidéo sur Ghost Simulator, mais j'ai pas. Le record il l'a coupé alors. Tant pis. Mais ok. Eh merde. Ok, avant c'est le bonus, c'est des points gratuits, alors c'est très cool ça. Ce serait cool. Maintenir. Ah, je me rappelle pas qu'on peut faire ça. Ok. Ok. Quoi? Ça a tout pété. C'était cool. Ok, on est bon. Pour l'instant, pas trop de rage sur ce niveau. Je crois que je vais rager sur ça. Allez hop. Ça. Hop. Gauche. On. Hop. Ouh, c'est galère. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Ah, pas cinématique, j'ai la flemme. Ok, bon, le... Ce son là dans mes oreilles, ça va faire genre... Tout va aller, ça. J'aurais pas dû faire ça. Je sais pas si j'aurais dû faire ça, là. Je vois pas trop, je suis un peu concentré. Hop. Hop. Les bruits de travaux, il en voit donc les travaux. Je crois en fait, pourquoi? Je suppose. Allez, let's go, j'ai tout récupéré. Soi-disant perfectionniste, gagne une réplique parfaitement. Okay. Licorne. Course, insane, parfaite, tu penses pouvoir passer encore le niveau suivant. Ok.
con. À débloquer une tenue. En fait, je vais faire un monde par épisode, c'est-à-dire cet épisode ça va être le monde 1 et le prochain épisode on va faire le monde 2, je pense. On va pas trop genre en mode tous les lundis, tous les samedis, je sais pas quoi là. Hein. Juste quand j'aurai le temps, on va passer. Carte dimensionnelle, alors ça c'est l'endroit où, avec les niveaux. Alors en fait ça c'est le... c'est pas un monde en vrai. Carte dimensionnelle, je viens de la carte dimensionnelle et si tu peux choisir un niveau que tu veux jouer, passe de Crash à Coco, changer les skins et jouer des... Alors, là on va faire le monde 1. Je pense qu'on va faire le... on va s'arrêter au deuxième niveau. Du monde... Ça, je sais pas si on peut appeler ça le monde 1. Alors ça je contrôle lui, ça je contrôle elle. J'ai des skins aussi. J'ai des skins pour lui. Skin de coq là. Là j'ai des skins pour elle. On va partir sur basique, je pense qu'à chaque épisode on va changer de skin. On va changer de skin à chaque épisode. Quelle corvée. Ok. Ouais, ça commence à devenir difficile. Ok, alors R2 ou triangle pour changer de phase, ok. Ah, ça commence à devenir difficile. Oh mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? Ça commence à devenir difficile parce qu'il faut manier des trucs comme ça, je sais quoi. Incroyable. Oh mon dieu! Ok. Ah, c'est le premier let's play que je fais sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est cool en vrai. Ouais, j'ai toujours voulu faire des let's play comme ça. Tranquille. Ok, j'ai perdu une vie. Alors les nitros, je veux pas les toucher. Si je touche, bah je meurs. Ouais. C'est comme ça. Ça devrait aller tranquille. Enfin, ça devrait aller tranquille. Ok. 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 Oh non, je me rappelle cette partie, putain, c'est chiant. Hein. J'en ai raté un, tant pis. Checkpoint. Magnifique. Hop. Je crois que le jeu c'est qu'un chapeau avec les flèches directionnelles ou les croix directionnelles, je crois qu'on s'appelle. C'est pas grave du tout, hein, mais c'est pas les croix directionnelles, pas le chapeau. Ok. À faire là. Ouais.
Ou c'est chiant ce que je fais, hein. Merde, merde. Oh, quel débile. Tant pis. Ok. J'enche plus sur le 100% que sur la... les morts, mais tant pis. Allez, balance. Comment tu veux le faire? J'ai compris. Ah, là-bas, il y a une jambe cachée. Je vois. Putain, les dieux. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. C'est une bonne chose que je sois mort, comme ça je... Sinon j'aurais pas vu ça. Si c'est que la route normale, bah j'ai dégoûté tout de suite. Oh, ok, c'est juste la route normale, je crois. Comme par hasard. C'est le target qui se joue. Ok. Hop. Deux. Y'a un truc là. Peut-être là. Bien, ok, incroyable. Comment je peux faire ça? Il y a des blocs ici, ouais, il y a des blocs ici. J'abandonne pas. Peu importe. Hop. Allez, on est bon. On va faire un dernier niveau, il est combien de temps? 17 minutes. Bon, on va s'arrêter là. Et on va continuer la prochaine vidéo. Je crois qu'on va faire toujours 3 niveaux par vidéo. Je pense que c'est raisonnable. Du coup, j'espère que la vidéo est cool. Et que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi. Votre avis. Dites-moi en commentaire si vous voulez continuer sur l'aspect. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao.